Bonjour, je vous présente là un petit jeu vidéo, enfin un jeu vidéo sur les pour faire suite à Summer Game que j'ai présenté hier, donc dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024, un jeu vidéo sorti sur Thomson, uniquement sur Thomson, tous les Thomson, MO5 à TO9, qui s'appelle Les Dieux du Stade, sorti en 1985, édité par Infogrames. Donc là, on a les Dieux du Stade 1 et les Dieux du Stade 2. Donc je vais vous présenter les Dieux du Stade 1, qui est la version TO8 là. Et en fait, il y a 4 épreuves dans ce. Il y a 4 épreuves dans ce jeu. Il y a le 100 mètres, il y a le 100 longueur, le 100 hauteur et le 400 mètres. Et en fait, c'est plus un film, enfin c'est plus un jeu sur l'athlétisme, sur les épreuves d'athlétisme des Jeux Olympiques une épreuve plus globale. Donc on va commencer avec le 1. Voilà, en fait, j'ai fait des tests déjà. Donc vous voyez, c'est le thème des chariots de feu. Un célèbre film des années 80 sur l'athlétisme. J'ai perdu, ok. Je vais recommencer. Non, c'est bon. Non, je suis qualifié, c'est bon. Là, c'est le saut longueur, mais j'y suis jamais arrivé en fait. Là, zut, saut longueur. Donc on a un temps de qualification et un saut de qualification à chaque fois. Mais là, je suis jamais arrivé au saut longueur. Enfin, il faut une vraie manette parce que jouer au clavier avec, c'est pas évident. Alors, il n'y a pas de scrolling, hein, c'est contrairement Contrairement à Sport d'été d'Infogrames. En fait, il faudrait une manette parce que là, c'est très difficile en fait. Jouer avec les deux doigts sur le clavier, c'est pas simple. Voilà. Bon. C'est pas facile de jouer avec le PC sur le clavier parce que là il faudrait une manette. Bon, voilà, c'est donc je vous présentais donc Les Dieux du Stade 1, édité par Infogrames en 1985 sur tous les Thomson. Et uniquement sur Thomson. A très bientôt pour une prochaine vidéo.